Bonsoir mes chers cancers, j'espère que vous allez bien, que tout s'est bien passé pour le mois d'avril, mais vous avez eu un merveilleux tirage le mois d'avril. J'espère pour le mois de mai, ça va continuer. Donc on va découvrir ensemble donc le tirage pour le mois de mai pour les cancers avec l'oracle, avec le tarot de Marseille comme arcane majeure pour la tendance générale pour le mois de mai. Puis je continue avec l'oracle de la triade avec cette carte. Une carte conseil avec l'oracle de Nat. Et une autre carte conseil avec divination des temps anciens. Voilà, on y va pour les cancers pour le mois de mai. Les cancers, mes chers cancers. Ah, c'est tourné. Alors. Je me regarde, c'est pour ça que je vois. Les cancers. Elle n'est pas tournée. Peut-être une stagnation, la continuité de ce qui s'est passé, un message. Vous êtes en attente, vous êtes en attente de quelque chose, une stagnation par rapport à une situation, ce qui s'est passé, d'accord. Ça va rester dans la continuité. Peut-être pour certains, ça va parler. Hop. Une carte. Pour les cancers. Voilà. Là, je la place là et je cherche l'autre. L'oracle de la triade. Les cancers pour le mois de mai. Oh, oh là là. Cancer pour le mois de mai. Carte malheur, est-ce qu'il y a eu peut-être il va y avoir peut-être une souffrance, une petite déception ou une souffrance par rapport à quelque chose qui va se passer, ce qui s'est passé. Une peine. Peut-être une séparation. Cette carte pour les cancers. Cette carte pour les cancers. Allez, je range, je range. Oui, bien vu.
place l'un pour... On voit, oui. Ok, on y va. Alors, l'arcane majeur, l'amoureux, l'amoureux. Belle carte, hein. Le pardon, 30. Nécessité, 55, 35. La clé, elle sort la clé, hein. Souvent la clé. L'arme, 38. Richesse, 24. La porte, 7. Réussite, 10. Déjà, à première vue, excusez-moi, je vais arriver. Que des belles cartes, sauf l'arme, on va voir pourquoi. Je pense qu'il y a eu une dispute. Dispute dans votre relation amoureuse ou avec des personnes qui sont proches, d'accord? Dans votre entourage. Entourage amical, familial ou avec votre compagnon ou compagne. Donc, il y a eu, je pense, où, dans votre cercle proche, il y a eu une dispute, il y a eu un conflit. Mais vous avez su dépasser ce stade de conflit. D'accord? Il y a eu, vous avez su pardonner. Parce que il y a, c'est une obligation de passer à autre chose. C'est une obligation parce que derrière, il y a aussi une question de patrimonial. Peut-être sur le plan familial, certains d'entre vous, il y a eu un conflit sur un héritage, d'accord, ou sur un partage de richesses, sur un patrimoine. Et c'était nécessaire de passer par un acte, par ce conflit-là, pour atteindre, pour réussir, en fait, pour réussir ce conflit, pour ajuster les choses, hein, pour réussir à trouver des solutions, hein, c'était la clé. C'était une obligation, ce passage-là, parce que il y avait que cette solution avec la porte. Hein. Je vois qu'il faut passer par un acte juridique, par exemple. Le conflit, hein, c'était où pour trouver la sérénité, la sérénité, la tranquillité dans ce foyer-là, dans votre cercle, mais il fallait passer par un conflit, donc par... L'arme, c'est ça, hein, c'est conflit, l'autorité, querelle. Hein, il y a eu vraiment. C'était la destinée. C'était. Vous ne pouvez pas l'éviter, ce conflit-là. Hein, parce que c'est grâce à ce conflit-là que les choses se sont éclaircies. Et que, il y a eu une ouverture vers autre chose, une issue vers. Une sortie vers. La réussite. Vers que les choses se sont conclues. D'accord? Que le choix, pour arriver à cette richesse, hein, peut-être oui, pour recevoir ou pour gagner cet héritage, ce patrimoine-là, il fallait passer par un acte juridique. Et derrière, il y a eu 30, le pardon, vous avez su avec. Il s'est arrangé, hein, la fin de querelle. Hein. Il y a eu une querelle, mais il y a eu une fin parce que, il y a eu un partage équitable, je pense. Un partage équitable, je vois ça, hein, c'est vous de l'amoureux, ça va être sur. Ou peut-être aussi, peut-être il y a certains d'entre vous. Peut-être il y a eu un divorce. Pourquoi pas, hein, on passe par la justice, hein, pour partager le patrimoine familial, le patrimoine du foyer. Et c'était réussi, ce partage, il était bien, bien fait, parce que c'était nécessaire, c'était obligé, hein, parce que vous avez des patrimoines à partager,
et vous avez réussi à vous entendre. D'accord? Peut-être aussi, pourquoi pas, pas le plan, plutôt sur le côté positif, bah, vous y a une belle entente qui est retrouvée, d'accord, au mois de mai, après une querelle, après une petite, voilà, une petite dispute, vous êtes séparés un petit moment, vous avez su dépasser ce conflit hein, qui était passager, et c'était bah, la clé pour fonder autre chose entre vous. Vous allez vous. Bah, le pardon de ce conflit, hein, le dépassement de. Le fait d'avoir dépassé ce conflit entre vous, sur le plan amoureux, bah, vous allez réussir à trouver une entente pour. Bah, entre vous, vous allez peut-être acquérir une maison ou. Faire entre vous, entre vous deux, bah, investissez, vous allez réussir à investir voilà, dans des choix financiers, ou agrandir la maison peut-être, hein. Ou peut-être aussi certains d'entre vous, vous allez en couple, vous allez réussir à. Peut-être il y a un qui veut ou une personne du couple veut acquérir une formation, veut partir pour progresser, évoluer, parce que c'était une nécessité pour réussir à évoluer professionnellement. D'accord? C'était la solution pour progresser et gagner plus d'argent. Donc, mais il faut passer par une formation et s'éloigner peut-être. C'était une querelle, c'était une dispute entre vous. Parce que cette personne-là, elle est obligée d'arrêter et peut-être d'arrêter son boulot actuel. Mais c'est une solution en fait pour évoluer et pour réussir à avoir un autre grade, hein, un diplôme derrière. C'est un diplôme, hein, la réussite. Donc, vous pouvez avoir une nomination aussi. Mais ce qui est intéressant, c'est que vous allez, après la querelle, vous allez trouver un terrain d'entente. D'accord? Vous allez, où vous allez vous concilier, vous allez trouver vraiment, vous allez en discuter, c'est bien. Peut-être il y a une autre personne qui va vous aider, hein, une troisième personne qui va vous aider à trouver cette solution entre vous deux. Peut-être une femme, une maman, une maman d'entre vous ou une personne qui est proche de vous, qui va aider à trouver ce terrain d'entente. D'accord? Et c'est, vous allez dépasser ce moment de conflit et vous allez réussir dans vos démarches. Je sais pas ça dépend de votre situation, mais ça va être vraiment la clé pour avancer, pour réussir et progresser. D'accord? C'est nécessaire pour vous, hein. C'est vraiment un passage obligé, entre guillemets, ce mois de mai. D'accord? Pour atteindre ce que vous voulez faire, hein, ce que vous voulez réussir. Gagner plus ou acquérir davantage ou investir, voilà. Donc, vous allez réussir à trouver la solution. Ce mois de mai, comme je l'ai dit, c'est un tirage général. Donc, mais c'est intéressant. C'est intéressant pour mes chers Gémeaux. Si vous êtes dans une situation de progression, ça continue pour vous, hein, même s'il y a des petites disputes, mais c'est passager. Voilà, mes chers Gémeaux. Oh, pourquoi j'ai dit Gémeaux, Cancer, excusez-moi. C'est Cancer, parce que j'ai fait Gémeaux, c'est Cancer. Donc comme le mois dernier, les cancers, parce que c'était vraiment très formidable, super votre tirage, ça continue pour le mois de mai. Alors, je passe à l'oracle de Nad comme conseil. Alors, pour le Nad.
pour les cancers. Excusez-moi, j'ai dit Gémeaux, mais non, je sais bien que cancer, on a bien dit cancer au début. Hein. Non. Hop, on va sauter. Voyage. Donc, les trois symboles magiques de cette carte attirent le déplacement, le changement et la découverte vers vous. Donc, je pense que c'est ça. Hein. Il vaut peut-être. Pour réussir, vous êtes obligé de partir. Peut-être il y a une personne dans le foyer du couple qui doit partir pour réussir dans sa formation ou dans sa situation professionnelle. Donc peut-être il y a un déplacement à faire ou un changement. Donc comme je vous ai dit, se former, se mettre aux études pour réussir un diplôme et voilà, pour gagner plus, pour s'enrichir. Voilà. Alors, on passe à l'autre oracle. Divination des temps aussi. Hein, pour mes chers cancers. C'est intéressant, mes chers cancers. Hop, voilà, j'ai dit cancer, ça a sauté. Oracle sagesse. Oracle sagesse. Vous connaissez déjà les réponses à vos questions. Vous réalisez ce qui est sous-jacent aux circonstances et vous appréciez ce qui est le mieux pour vous. Plutôt que de chercher l'opinion des autres, faites confiance à vos propres connaissances. Tel un oracle doué de sagesse, vous êtes capable de voir dans l'obscurité et de jeter la lumière sur des situations qui pourraient en déconcerter d'autres. Prenez en bonne note et voyagez dans les profondeurs de votre être, car c'est là que vous trouverez le discernement dont vous avez besoin pour vous aider dans votre périple. Il n'y a aucune raison de rechercher l'approbation des autres. Vous disposez actuellement de toutes les connaissances nécessaires. Voilà. Je vais y arriver. Déjà que je pense que vous avez remarqué, j'ai bégayé un peu. On vous encourage d'aller vers votre but. Donc allez-y, foncez si vous avez envie de découvrir, de progresser. Donc faites-le. Et bon courage, voilà. Et j'espère que ça vous a plu, que ça vous parle. N'hésitez pas de me laisser un commentaire, de liker si vous aimez, de vous abonner. Et si vous désirez un tirage personnel, ben, vous avez mes coordonnées en bas de la vidéo. Et je vous dis ciao, ciao!